Hey, salut à tous et à toutes les amis, c'est Rien, aujourd'hui toujours on se retrouve pour l'épisode 2 des jours de mon aventure sur FK, sur ce magnifique coucher, enfin, le lever de soleil. Bon, pour commencer aujourd'hui la base, après ça s'est violé par un zombie. On a eu ça mal au cul. On va pouvoir du coup commencer cette base. Je tiens à rappeler que les épisodes sont tournés à la suite du précédent. Du coup, on a fait une pause, on a fait un petit débrief. Bon, bah, Vultran s'est fait exploser parce que il a pas regardé autour de lui, quoi. Bon, bref, il s'est fait niquer. C'est dommage à lui. Bon, en tout cas, GG, il a fait le first blood. Il en est fier. Voilà. En tout cas, GG. On a tous eu des défauts, hein. Flash Fight n'a pas pu tourner son premier épisode, malheureusement. Il y a eu quelques petits bugs. Bon, c'est pas grave, hein, ça arrive à tout le monde. Voilà, du coup, il n'y aura pas le premier épisode de Flash Fight, mais le deuxième épisode, ça c'est sûr, il y sera, puisqu'il est en train de tourner en ce moment l'épisode 2. Donc aujourd'hui, programme intéressant, puisque dans le dernier épisode, je vous rappelle que nous avions découvert une grotte, mais d'abord, nous allons récupérer, c'est pour ça que je suis remontée à la surface, nous allons aller récupérer la bonne et la délicieuse canne à sucre, que nous avons vu la dernière fois dans le dernier épisode, mais que nous n'avions eu la flemme de prendre, et du coup, nous allons tout de suite aller la récupérer. Est-ce qu'il nous a remis en peaceful, ce con? Non. Ok, c'est bon. Parfait. Voilà, du coup, récupérer la canne à sucre. On prend la canne à sucre avant que la nuit tombe. Par contre, la nuit est tombée super rapidement, on était d'accord pour ça, on n'avait pas fait de time set. C'était un petit peu une erreur, parce que on a enlevé le always day, et en fait le always day, il nous prend à midi. Du coup, l'épisode était un petit peu plus court, on en est désolé. Ça arrive. Alors, on est à combien là? 8, écoutez, on va pouvoir en faire pousser dans notre petite maison, hein. Ouais, par contre, ça fait des ravages dans la base de Vultran. Ah putain, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, c'est vrai que j'avais pas vu ça comme ça, mais en tout cas, au niveau de sa base, il doit être bien, le pauvre. Ouais, c'est bon, la bouffe commence à descendre. Ce qui est pas une bonne nouvelle, puisqu'on est en dehors de notre base. Putain, ça descend super vite maintenant. Ça se fout pas trop de notre gueule, c'est ça qui est bien. Hop, 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 hop. Hop là, nickel. Du coup, nous sommes à la maison. Home sweet home. Et du coup, on va pouvoir retourner miner, du coup, parce que on n'a rien d'autre à faire. Alors, du coup, le fer à cuit, ça c'est bien. Alors, on va pouvoir se faire un plastron que nous allons nous équiper. Bon, les autres, ils ont pas l'air non plus super tough, hein, de ce que j'en ai vu. Bon, le train, il a presque tout perdu. Il était obligé de se faire du charcoal, donc ça c'est pas du tout la rentabilisation. Et Flash Fight, bon, j'ai rien vu de Flash Fight puisque sa vidéo a été malheureusement effacée. Sur les torches, du coup. Alors, très heureux de vous reprendre, du coup, après cette petite coupure. Enfin, ça a été une petite coupure, pas été très longue non plus. J'ai une idée de salle des coffres. Après, il faut voir si elle est rentable ou pas. Je prends pas le risque pour savoir si je suis bon ou pas au niveau de la hauteur. Enfin, de la base, du coup, je vais pas poter de bloc. Hop là. Hop, 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 hop. Du coup, on va miner, hein, tranquillement. Je sais bien m'orienter en caverne, ça c'est bon. Après, je vais vous dire que je suis perdu. Bon, il y a quelques bugs de luminosité, mais c'est parce que je suis pas le serveur. Du coup, ça c'est fait. Alors, on va du coup miner. Bon, voilà. Ça là, c'est bon. En plus, c'est vrai que là, on est sorti du stress un petit peu du premier épisode, tout ça. Donc voilà, on va pouvoir se poser tranquillou. On a commencé notre petite muraille. On la continuera, la muraille, parce qu'elle n'est pas terminée du tout. Mais ouais, je compte faire 3 ou 4 couches. En plus, je mettrai du gravel entre dedans, donc ça fera 3 ou 4 couches, ouais. 3 couches et une couche de gravel, on va faire ça comme ça. Ah, j'ai entendu un zombie. Généralement, c'est pas ce qui est très sympa, on a bien vu que ça m'avait fait flipper le zombie dans un épisode. Donc s'il te plaît, le zombie ne vient pas vers moi. Tout ce que je te demanderai. Tu respectes cette règle et on sera gagné. De...
Bâtard! Non, sniper de... Oh la vache! Sniper de t'es mort. Une question, il est venu d'où le zombie? Il est venu d'où le zombie? Enfin, les zombies sont venus d'où? Une invasion, mais genre une invasion, tu sais même pas d'où elle vient. Je sais pas. Hop, hop là. Tranquillou. Bon, après les grottes, ça va, elles sont pas non plus très compliquées. Hop. Tac, tac, tac. Et Gozo 83 qui me sortait une lag. Mais il fait, ouais, je passerai peut-être dans un des épisodes. C'est ça. Et mon cul. Hop. Je passerai dans aucun épisode. Ah, pipioche. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on peut déjà se faire un full fer, ça c'est pas mal. Et c'est bientôt la nuit. Enfin, parce que moi je me repère au timer qui est au-dessus de mes cœurs. Hop, 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 parfait. On va pas vraiment pas prendre de risque, hein, parce que j'ai vu que Vultran était mort assez rapidement. Hein. Alors, on a cassé à la main et tout. Aujourd'hui, il n'y a rien de spécial pour moi. Alors là, il n'y en a pas. Il y en a deux. Hop. Oui, oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui. Putain. Il y a trois. Je sais pas qu'il y a un spawner à creeper. C'est le quatrième creeper que je croise. Franchement, il y aurait un spawner à creeper. On aurait été tellement bien. On aurait gagné la partie. Genre, on serait allé farmer pendant quelques minutes. Hop. Hop. Bon. On va s'arrêter là au niveau du fer, je pense. Au niveau du minage. On va aller. Enfin, du minage comme ça. Ah non, il y a en haut aussi qu'on peut aller vérifier. Hop. C'est pour de la bouffe. Est-ce qu'on croit les petites plantations? Je sais pas. Il m'a fait peur ce con! Oh, il m'a fait peur! Ah, parfait. Tac, tac. Casse-toi! Ah, parfait. Hop. Également. Après, c'est vrai que je m'en sors plutôt bien. Enfin, je trouve que je m'en sors plutôt bien. Ouais, d'habitude, n'hésitez pas à me dire si la série vous plaît. Hein, si vous voulez, si vous aimez les séries en multi, si vous voulez que j'en fasse plus. Hop. De toute façon, le prochain FK qu'on fera, il sera à deux, je pense. Putain. Hop. Enfin, je sais pas, hein, mais peut-être avec Hugo The B83. Ça peut être marrant. Écoutez, hein. Ah bien, on est bien profond là. Là ça descend bien. Là ça descend bien du coup. On va remonter nous. Perso, on va remonter, on va mettre tout ça à cuire. On descendra quand on peut pas. Perso, je le sens pas là. J'ai l'impression qu'il me tire dessus l'archer en fait. Parce que je mettais pour écouter les bruits du coup, mais j'ai l'impression qu'il me shot. Un truc qu'on n'a pas encore exploré quoi. Et bah je suis content, cette pierre est assez grande. Ah, un bar ami est tombé je pense. C'est 10 minutes. C'est 10 minutes de jour, 10 minutes de nuit. Ouais. Tout va bien. Sachant que j'ai commencé un petit peu à tard, mais il est déjà tombé. On va s'occuper de la muraille, je pense, aujourd'hui. On a bien fermé comme pas possible. On va s'occuper de la muraille, je pense. Ça cuire. Ça s'appelle du fioul. Je sais. Ah non, le jour n'est toujours pas tombé. Ah bah, enfin, ah si, la nuit commence à tomber.
La nuit commence à tomber. Ok. Peut-être faire un lit aussi. Franchement, c'est très dangereux de sortir la nuit. Ouais, juste aller se faire quelques... Ouais, je dis que c'est dangereux de sortir la nuit et moi je sors. Parce que je suis pas normale et parce que j'ai besoin de... Putain, on a des chevaux à côté de nous. J'ai besoin de bouffe, en fait. Oh merde, j'ai tué un enfant. Je vais me prendre des commentaires haineux. Lucille, t'as pas honte de tuer un enfant? Il y a que dalle, à part ce mouton. Qui doit mourir. Et qui donne de la viande, j'avais oublié maintenant. On y va en YOLO, allez, 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 YOLO, 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 YOLO. Ok, on se tire, on se tire, on se tire, on se tire. Là, il faut vraiment qu'on rentre. Allez, allez, on va faire une petite salle du coup. On pourra aller miner tranquillou. Et là, il faut vraiment qu'on rentre. Allez, allez, bouge, 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 bouge. Ça se traverse les murs quand même là. J'ai mis une mouvement stratégique du coup, c'est pas mal. Écoutez, hop, on y retourne. Petit bug. Hop là, du coup. 9. Ok, j'ai un bug. Est-ce qu'on les prévient quand c'est la nuit aussi? Oui, on va pas faire nos connards. Hop, comme ça on fait nuit 2, jour 3. Allez, on va du coup miner. On va miner du coup. Là, ça va être vraiment la salle à farm. Hein. On va pouvoir farmer sur cette salle. Alors, on va farmer de 6 sur 6. Voilà, comme ça. Hop, parfait. Bon, il n'y a pas beaucoup de commentaires. Je dois vous avouer que c'est pas le point fort de ce let's play. Hop. Ce n'est pas vraiment un let's play, hein, c'est juste une série en multi. Du coup, je sais même pas où je prends le son, parce que du coup, j'ai enlevé ma coque. Hop. Parfait. Je vais remettre 2 minutes, ma coque, parce que sinon, ça va être le gros dawa. Hop, ma coque, elle est où? Attendez, j'ai parlé ma coque. Hop. Il se passe des trucs chaque épisode. Chaque épisode, il se passe un truc, je pense. Parfait. C'est beaucoup plus pratique d'avoir une coque. Et parce que du coup, moi, je passe un téléphone brûlant à un téléphone normal. Du coup, on va jusque là. 2, 3, 4, 5, 6, parfait. C'est bon. Du coup, on va pouvoir tout faire. Hop. Allez, allez, allez. On se bouge. C'est vraiment pas pour farmer les minerais. Hein. Enfin, cette technique, vous pouvez l'utiliser si vous n'avez pas de grotte. Ça, c'est intéressant. Comme technique. Parfait. Il y a du charbon. Ça, c'est plutôt bien. L'objectif, c'est vraiment être de trouver du diamant très rapidement, mais bon. C'est vrai que là, on va peut-être pas s'y aventurer aujourd'hui encore. Je pense qu'on va y retourner, hein, mais pas tout de suite. C'est bon, du coup, ça c'est fait. On va pouvoir creuser au middle aussi. 1, 2. Le middle, c'est là. Allez, allez, on creuse. On creuse comme des Chinois. La 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 la. On creuse. On creuse comme des Chinois. On va péter ce mur là. Donc ouais, c'est rapide. Hein. C'est du combien, pas combien, à votre avis. On doit en gagner, à mon avis, du stack. On doit être à un stack là. Un stack et demi. Un stack et demi en l'espace de... Deux minutes. Hein. Donc c'est plutôt rentable comme technique de minage optimisé.
C'est plutôt sympathique. Allez. Putain, j'ai une vidéo dans la tête là, ça veut pas sortir, ça me saoule. Parfait. Cette technique, elle a été utilisée par Flash Fight quand on avait fait la. Enfin, c'est moi qui lui ai appris. Quand je lui avais dit de. C'est même là où on avait planqué nos salles des coffres tellement on n'avait rien à faire. Parfait. Hop là, nickel. On va se faire une pelle quand même parce que. Ça devient critique là. Oui, je pense à peine à faire des pelles alors qu'on a bientôt terminé. Mais écoutez, le progrès arriverait lentement. C'est bon. Ah, bah voilà. Bah voilà. Deuxième mort. GG. Je suis le seul qui ne suis pas encore mort. Je sais pas écrire. Mais non, ça j'ai pas vu mes trucs. Je suis le seul qui ne suis pas encore mort, donc ça c'est pas mal. Je suis toujours en vie, toujours en lice pour me battre. Alors, on regarde où est la nuit. T'inquiète, ça va arriver. La nuit va terminer. Mais oui. Mais oui. T'en fais pas mon petit Voltran, ça va m'arriver. Et plus vite que tu ne le penses, je pense. Alors, est-ce qu'on peut se faire une enclume déjà? Bientôt. On peut déjà se faire l'enclume, putain la vache, ça va super vite. Et bah écoutez, cette salle, on va un petit peu l'aménager. Ça va être une petite salle cosy. Hop. Du coup, on va aller poser le notre. On va du coup poser notre bouffe qu'on va faire cuire. Ah non, on voulait faire du coup l'enclume. Et voilà. Flash fight was slain by zombie villager. Non mais. Il y a un problème, je sais pas où je suis. GG. Tu veux qu'on fasse une ellipse? On va pas poser l'enclume ici, on va la poser là. Tranquillou. Hop. Je sais pas, est-ce qu'il veut faire une ellipse ou pas. On est proche de la fin. Ouais. Bon, on a été disconnect. Peut-être qu'il relance le serveur, je sais pas. On se connecte, on va voir. Qu'est-ce qui se passe? Donne, ok. Ok, bon bah, on était déco. On est proche de la fin, donc je pense que ça sert un petit peu à rien de faire une ellipse maintenant, quoi. Désolé. Aucun problème. Par contre, c'est. Ah, bâtard, 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 bâtard. Stresser comme ça. Bon. Puis dans le prochain épisode, je sais ce qu'on va aller faire. Dans le prochain épisode, je sais ce qu'on fera dans le prochain épisode. Prochain épisode, direction le Nether. Ouais. Prochain épisode, du coup, on ira direction le Nether, je pense. Juste pour aller prendre les Nether Wart en premier. Et que se passe-t-il, Flash Fight? D'accord, donc un Flash Fight
arrive. Donc, on va faire un cut du coup, puisque c'est le jour 3. Et on se retrouve juste après. Donc, pour le prochain épisode. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un like ou un commentaire. On se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye! Allez, bye bye! You enchant me, even when you're not.